Nous parlons du dossier Casamance, la dernière partie de cette émission. Vous avez certainement assisté à cette offensive de l'armée du Sénégal, mais c'est parce que quelque part, des militaires ont été arrêtés et par l'entremise de certains médiateurs ont été finalement libérés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait perdurer cette crise casamançaise et comment analysez-vous ce problème? Le politique serait-il un blocage pour la stratégie militaire? Où se situe la solution, mon colonel? Solution, je ne saurais dire, mais ce que je sais, c'est que d'une part, premièrement, je peux dire, on peut être très cynique et dire que tant que le conflit casamancé nourrira plus de gens qu'il n'en tue, il va perdurer. Deuxièmement, on peut dire que le problème de tous les mouvements de guérilla ou indépendance, c'est qu'à un moment, obligé de vivre, parce que n'oubliez jamais que le premier objectif de toute organisation, c'est sa propre survie. Et quand on gère cette survie, parfois, ce qui se passe, c'est qu'on vire vers une forme de criminalisation. On l'a vu avec les FARC. Pour avoir des ressources, on fait du trafic, on fait beaucoup de choses. Que des soldats sénégalais soient attaqués à la frontière, enfin en Gambie, ça veut dire par des gens qui ne sont pas en Gambie. Mais s'ils ne sont pas en Gambie, c'est qu'ils sont sur le territoire sénégalais. C'est clair. Donc si ces gens prétendent avoir le monopole de la violence dans une portion du territoire, le Sénégal a le droit et le devoir de leur envoyer son armée. Parce que qu'est-ce que l'État? C'est l'organisation qui a revendiqué avec succès le monopole de la violence légitime. Le Sénégal a tous les droits dans ce cadre. Et je pense que ce mouvement existe parce que d'une part, il a pu bénéficier de quelques soutiens, de soutiens locaux, dont je ne peux pas évaluer la quantité, mais aussi des pays limitrophes. C'est-à-dire que quand vous étiez en zone plus au sud, il y avait la Guinée-Bissau là-bas, au nord, il y a la Gambie, et les États jouant leurs intérêts, quand du bois est coupé du Sénégal et va en Gambie pour être embarqué là-bas, ne me dites pas que les Gambiens ne s'interrogent pas sur d'où ça vient. Mais, parfois, c'est plus facile de faire du panspilatisme. On ferme les yeux jusqu'à ce que ça chauffe. Et c'est terrible, parce que quand la Gambie chauffe, c'est quand même des Sénégalais qui vont souvent pour les aider. C'est quand même des Sénégalais qui laissent leur peau. Quand vous allez en Guinée-Bissau, c'est après pareil. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est que ces petites méfiances entre les États gênent la communauté que nous voulons former au sein de la CEDEAO. Parce que si la CEDEAO marchait bien, on a confiance les uns à les autres, qu'est-ce qui se passerait? Tous les Sénégalais considéreraient les Nigériens, les Ivoiriens, qu'il n'y a plus vraiment de frontières comme au bon vieux temps, que à la limite, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Mali s'inscrivent dans un cadre qui est la CEDEAO et dont les frontières partent du Nord Mali, Nord Niger, Est du Tchad. Ensuite, ça suit toute la côte jusqu'au nord de Saint-Louis. Alors.